Une grande championne de la région est venue motiver les jeunes espoirs du ski des Alpes du Sud. Christelle Pascal, originaire de la station du Pralou, 8 podiums en Coupe du Monde, dont une victoire. Je suis contente de voir ces jeunes athlètes, ça fait plaisir. Ils sont pleins de passion, ils ont les yeux qui brillent. Simplement, je leur ai transmis le message suivant, soyez passionnés, faites les choses avec envie. Et puis, je leur ai souhaité une bonne route à tous. C'est vrai qu'on a vraiment tous envie, lorsqu'on a réussi à toucher du bout du doigt le goût de la victoire, on a envie, bien que d'autres champions, qui plus est de chez nous, dans les Alpes du Sud, en face d'eux-mêmes. Et vraiment, je leur souhaite plein de réussite. Des jeunes champions très prometteurs qu'on vous laisse découvrir. Bonjour, je suis Thomas Assaut, au ski club de Vars, Varsin. J'ai fait 182 cet hiver lors des Speedmasters. Et j'ai fait deux fois champion de France en ski de vitesse. Bonjour, Louis Billy, équipe de France de ski de vitesse depuis 2009. Champion du monde junior 2013 et record personnel à 241 km/h. Bonjour, Simon Billy, ski club de Vars, record personnel à 246 km/h. Un titre de champion du monde en 2009 et plusieurs podiums lors des championnats du monde et coupes du monde ces deux dernières années. Donc, je m'appelle Camille Cerruti, j'ai 16 ans, je suis membre du club des sports de Rizoul. Ça fait depuis mes 6 ans que je fais du ski et cette année je rentre en équipe de France de ski alpin. Je m'appelle Maëlle Froissart, j'ai 18 ans, je pratique le télémarque depuis bientôt 8 ans. Et cette année c'est ma deuxième année en Coupe du Monde. J'ai fait 2 médailles de bronze au championnat du monde junior et un podium en Coupe du Monde senior. Donc me classer parmi les meilleurs seniors à 17 ans, c'était pas mal. Plus que la simple présentation des jeunes espoirs du ski, l'Assemblée Générale du Comité Régional du Ski des Alpes-Provence est l'occasion de dresser un bilan financier. Des mécènes étaient là, les élus étaient là, donc aujourd'hui le ski, la montagne au sein de notre département et même du 04 est en train de se remettre en place. On a remis et l'église est de nouveau au milieu du village, comme je dis souvent. Et c'est grâce à eux, il ne faudra pas le perdre de vue que tous ces jeunes, c'est l'avenir des vallées, quand ils seront adultes, quand ils auront arrêté la compétition, c'est l'avenir de toutes nos vallées. Un avenir que prépare minutieusement le comité pour pouvoir concurrencer leurs très chers voisins de la Savoie.